Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5, on est très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour parler de football européen. On est heureux d'être là. Pour l'instant, la technique nous laisse le choix d'être là, donc on va essayer de faire une émission ensemble, on va essayer d'être là et d'être le plus synthétique possible sur les matchs de ce beau dimanche. Mon plateau du soir, un plateau qui va essayer de calmer la technique par ces débats un peu endiablés. Walid Acharchour. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Comment ça va? Bah ça va, un petit peu stressé parce que j'espère terminer l'émission. Oui, on espère pouvoir la faire celle-là. Voilà, pas comme hier. J'espère que les sociaux seront indulgents comme ils l'ont été hier soir parce qu'on a reçu beaucoup de messages. Bon, des messages d'énervement. Je vais en parler un peu des après. Des messages d'énervement, mais aussi des messages d'encouragement. Donc voilà, la technique c'est compliqué en ce moment, mais on essaye de faire le boulot. Mais sinon, c'est un plaisir de retrouver les sociaux. Et toi, tu veux que je te dise? Je t'aime. Hier, je critiquais un peu ta chevelure, mais là, j'aime bien ta crinière comme ça. C'est la chevelure de. J'ai bossé pendant toute la journée. C'est ça. J'ai oublié juste avant de rentrer dans le studio de me refaire les cheveux. Ça fait quelque chose. Moi, si je fais ça, bon, je peux pas le faire, mais déjà techniquement, mais je pense que ça fait pas aussi classe que toi. Je profite d'avoir encore un peu de cheveux. C'est beau. Profite. Alpha Baldé. Comment vas-tu, Romain? Je vais très bien, et toi? Bah écoute, en forme, super forme. Ouais. T'es heureux de ce petit derby d'Italie, je pense que ça. Ouais, ça reste une habitude désormais, donc il y a plus de sentiments éprouvés sur ça. Oh, on s'en fout maintenant. Ouais, c'est une routine. Derby d'Italie, c'est rien, c'est victoire et puis c'est tout. Hein. Ouais, c'est une routine. Derby d'Italie, derby de tout ce qu'on veut, de Turin. Ça devient une routine désormais, donc on va parler d'autre chose. Comment il est là? Il y a deux semaines, il était pas sûr. On va parler d'autre chose, on va parler du match tout à l'heure. Sur mes émotions, mon état de sentiment, on va parler d'autre chose que la victoire de la Juve. Tu vois, Bonsoir à vous les socios, bon, on est très heureux de vous retrouver. On s'excuse pour tous les bugs techniques qu'on a depuis, depuis une petite semaine. Je regarde juste parce que si je dis ça, je dis un message sérieux et que j'ai une mèche, bah ça va tout foirer maintenant. Mais elle est là. Merci à vous d'être là, de soutenir notre projet Club des 5. Voilà, on a des petits bugs, on les a grandement identifiés. On a bossé avec les équipes techniques du Club des 5, on bossait tout le week-end et on les a grandement identifiés, notamment les bugs qu'il y avait sonores sur le début de la semaine. On sait d'où ça vient maintenant et normalement il devrait plus y avoir de bugs sonores. Il y a encore de temps en temps des petits bugs de caméra qui font que d'un coup le son s'arrête et donc on va essayer de régler ça. Normalement ça sera réglé dans les prochains jours, mais encore ce soir il peut y avoir des petites incertitudes, donc on va essayer de faire nos débats. En tout cas il y a eu des messages de mécontentement, on les comprend complètement. Ça nous a profondément énervé de ne pas pouvoir faire l'émission hier. Il y a aussi des messages de soutien, donc merci à tous ceux qui ont conscience que on essaye de cravacher pour que tout marche. Le programme du soir, non, juste avant l'appel au like, l'appel aux socios, vous en avez l'habitude. Il faut nous balancer des petits pouces bleus, faut nous donner un maximum de force. On en a besoin. Vous avez ici tous nos petits réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur Utip. Et puis abonnez-vous, ceux qui découvrent la chaîne du Club des 5, abonnez-vous et activez les notifications. Ça marche bien, les notifications du côté de YouTube. Le programme du soir, on va se concentrer sur deux matchs, deux derbies. Celui en France entre Lyon et Saint-Etienne, l'OL qui est toujours dans le doute malgré la victoire contre Leipzig. Ça a été compliqué aujourd'hui, défaite à Saint-Etienne et puis pas vraiment grand-chose de montrer de la part des hommes de Silvinho. On parlera notamment du cas Moussa Dembélé, ça sera la question du soir, on vous la pose juste après ce sommaire. On parlera de Saint-Etienne. Est-ce que c'est déjà un effet Puel? C'est un peu cliché de poser cette question-là, mais n'empêche qu'il y a eu des vrais choix de la part de Claude Puel aujourd'hui dans le 11 de départ, donc on va pouvoir se demander déjà s'il y a un début de patte du côté de Saint-Etienne. Et puis on ira en Italie, derby d'Italie entre l'Inter et la Juve avec la victoire de la Juventus grâce à un but de Gonzalo Higuain notamment. Gonzalo Higuain qui donne la victoire à la Juve et la Juve qui reprend la tête en Serie A. On se posera la question de l'Inter Milan, l'Inter de Conte qui fait un bon début de saison mais qui est peut-être encore un peu trop juste face à cette Juve qui est complètement rodé en Serie A. On nous dit que il y a un petit son bizarre. On va essayer de voir ça. On nous demande aussi si on débriefe le match entre le Barça et le Séville. Et Séville, on le débriefera demain notamment. Et on parlera aussi du gros week-end qu'il y a eu en Première Ligue. On pourra parler de tout ça notamment. On se fera une émission un peu spéciale. On verra ce qu'on mettra dedans. Mais c'est dur de parler de tous ces matchs. Voilà, comme le dit très bien le grand assaillant, c'est très dur de parler de cinq championnats. Alors en plus, on a l'émission d'hier qui a été sucrée. C'est très dur de parler
parler de 5 championnats de manière si condensée. On essaye de faire un maximum en parlant de tous les clubs possibles. La question du soir, elle est sur l'OL justement. Pourquoi Silvinho se prive-t-il de Dembélé? On a vu que ça avait marché certes contre Leipzig, mais ça a été renouvelé encore aujourd'hui. Il y a eu moins de réussite. Notamment contre Saint-Etienne. Moussa Dembélé, qui est certainement le meilleur joueur lyonnais depuis le début de la saison, bah là, il y a eu 2 matchs de suite où il n'est pas titulaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous voyez des raisons pour lesquelles Silvinho ne se prive de son meilleur buteur? Vous pouvez nous donner votre avis sur le chat et dans les commentaires pour ceux qui nous regardent en replay. On commence par le premier match de ce soir, ça va être donc celui-là, le derby entre Lyon et Saint-Etienne, la victoire des Verts, 1-0 face à l'OL, un but de Robert Berić, une tête à la 90e minute. On va aller rapidement sur le débrief de ce match, c'était quand même pas fameux. Hein. Ouais. C'était quand même pas fameux, il y a eu 12 tirs en tout dans le match, seulement 6 tirs cadrés et encore c'était voilà, il y a eu 2-3 arrêts de Lopez, mais c'est Jesse Moulin n'a pas été mis à contribution. C'était, ouais, on a vu c'était un, compliqué. Hein. On a vu un pauvre match de football. On avait, nous, les deux derbies en double fenêtre. Et c'est vrai qu'en termes d'intensité, en termes d'idée de jeu, de la part des deux coachs, même si pour Puel, je peux le comprendre parce qu'on en parlera tout à l'heure, il vient d'arriver et il est obligé de faire cet électrochoc pour aller chercher un résultat contre Lyon. Mais on a vu deux défenses à 5 où il y a eu très, très peu d'idées de jeu, des pistons qui se sont très, très peu projetés. Des milieux de terrain aussi très frileux dans la passe et dans cette capacité à casser des lignes. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. On a un peu plus vu Aouar, notamment côté lyonnais, pour essayer de créer du danger. Mais c'était voilà, trop peu pour un gros match de Ligue 1 à 21h sur Canal+. C'est vraiment une mauvaise pub, si on doit parler d'un point de vue global. Et après, Saint-Etienne a été chercher cette victoire avec... voilà, un peu plus d'envie, un peu plus d'intensité. Tu l'as dit, Lopez a été mis à contribution sur 2-3 mini-situations de la part de Bouanga ou même de Boudbouz en première mi-temps. J'ai pas envie de te dire que Saint-Etienne a mérité sa victoire, parce qu'un nul n'aurait pas été non plus scandaleux, loin de là. Ça aurait même été logique, un match nul, parce que les deux équipes ont été très très moyennes. Mais Saint-Etienne va la chercher au finish avec le mental, et je pense que cette victoire, elle peut faire du bien à Puel pour essayer de lancer son début d'histoire avec ce club. Et puis surtout que c'est un clin d'œil par rapport à ce qui s'est passé avec Lyon et Jean-Michel Aulas notamment. Mmh. L'année dernière, c'était la clim de Moussa Dembélé, de la tête aussi, hein. À Geoffroy Guichard, lui aussi. La de clim la tête. D'Alpha Baldé, parce qu'ils sont sosies. C'est vrai, il faut pas l'oublier. Alpha, il trouve pas trop. Alors, moi aussi, je trouve que vous ressemblez un peu. Tu suis la tendance. Deux, trois personnes le disent, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui disent finalement que c'est vrai, mais ils le pensent pas vraiment. Il y a un air. Facile. Donc l'année dernière, avec clim de Moussa Dembélé, c'est juste le retour des choses là, que ça soit Robert Berić qui donne la victoire à Saint-Etienne cette année. Juste retour des choses, je sais pas, mais je suis complètement d'accord avec le débrief de Walid. C'était pas un football totalement alléchant. On n'a pas vu des choses très intéressantes, même si moi je dirais plus que la victoire de Saint-Etienne, elle est beaucoup plus méritée, parce que sur les situations franches, t'as vraiment une équipe de Saint-Etienne, notamment le poteau de Boudbouz en première mi-temps, et t'as des incursions du côté de Saint-Etienne et les idées, notamment le pressing assez haut de cette équipe de Saint-Etienne en première mi-temps. Bizarrement, il marque le deuxième but sur une période où c'est plutôt Lyon qui essaie d'aller chercher la victoire, où c'est plutôt Lyon qui essaie de faire le jeu, avec notamment l'entrée de Dembélé, même s'il y a cette blessure de Dubois, c'est ça, ouais, qui sort, que Lyon finit à 10. Mais tu avais quand même une intention du côté de Lyon, avec Aouar qui commençait un petit peu, ce but qui a été signalé hors-jeu, avec ses incursions dans la surface, qui commençait à vouloir dédoubler avec Dembélé. Et on a senti une connexion technique. On a senti cette connexion technique avec le 2, le face-à-face aussi, qui n'a pas été concrétisé. Mais au final, voilà, tu as une équipe de Saint-Etienne qui est bien payée sur l'ensemble de son œuvre, sur l'ensemble du match, parce qu'elle a quand même beaucoup plus essayé, beaucoup plus tenté. Et tactiquement, je pense qu'elle a été un petit peu supérieure à... Claude Puel a été un petit peu supérieur à Silvinho sur ce qu'ils ont montré sur les 90 minutes. C'est vrai que c'était deux schémas qui étaient complètement calqués l'un sur l'autre. Hein. On va commencer peut-être par l'équipe de Lyon. Alors c'est la même, exactement la même que celle face à Leipzig la semaine dernière, ce schéma à 3. Enfin, avec... le système est le même. Oui, le système est le même. Raphaël n'était pas là, et Marcel n'était pas là. Le système est le même, et après, c'est les hommes connus qui n'étaient pas là, et donc il y a eu le basculement sur les latéraux. Mais, et notamment devant, ça va vite être la question qu'on va se poser, avec cette association entre Memphis Depay et Martin Terrier. Deux compositions voilà, similaires, puisque côté Saint-Etienne, c'était aussi un schéma à 3, avec aussi des idées dans ce sens-là.
C'est pour ça qu'on a eu un match complètement fermé, c'est parce que ça se rendait coup pour coup, ça se compensait très bien. C'est ça, et c'est là où je reproche à Silvinho, je l'avais déjà dit mercredi quand on faisait le mini débrief avec Anthony, j'avais peur que la victoire face à Leipzig soit l'arbre qui cache la forêt, parce que la composition qu'il a mis contre Leipzig, alors avant le match j'étais très très sceptique, mais en regardant le match, tu comprends sa logique, parce que Leipzig est une équipe qui a besoin de verticalité, et si tu leur laisses le ballon, ils ont beaucoup plus de mal à faire la différence. Encore que Werner a eu des grosses occasions. Là, le problème, c'est que c'est une autre équipe avec une autre philosophie de jeu. Saint-Etienne n'a pas vocation à... Le profil de Leipzig. Hein. Exactement, ils ont pas du tout le profil de Leipzig. Et tu as Silvinho qui remet le même système avec les mêmes hommes, avec Terrier et Memphis qui doivent prendre la profondeur. Mais sauf que le problème, c'est que ce soir, ça ne fonctionne pas du tout. Et moi, j'aurais voulu revoir un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 et injecter quelques hommes différents, notamment Moussa Dembélé, qui est le meilleur buteur de Ligue 1, enfin qui était le meilleur buteur de Ligue 1 avant que Osimhen marque ce week-end contre Nîmes, voilà. Tu te passes de lui alors qu'il a été au repos mercredi. Terrier n'a pas été bon, Memphis n'a pas été bon parce qu'encore une fois dans la physionomie c'est complètement différent. Et puis tu es très très frileux dans ton système, un système à 5 face à une équipe des Verts qui était au fond du seau avant cette rencontre. Moi je trouve que tu envoies encore une fois. Je trouve que c'est pas assez ambitieux. Bien sûr, mais tu envoies encore une fois une parce que ça fait mine de rien 6 joueurs défensifs. Bien sûr, mais si tu regardes les 5 défenseurs, puisque Dubois et Raphaël sont plutôt des défenseurs. Et puis surtout, les pistons n'apportent rien. Encore une fois, les pistons n'ont pas le droit de monter ou ne montent pas. Donc c'est plus un 3-5-2, c'est un 5-3-2. Et surtout, voilà, le nombre d'occasions qu'a eu Lyon, on les compte sur les doigts d'une main. Et c'est encore une fois, tu pars de 40 mètres, de 50 mètres. C'est pas le jeu que doit avoir Lyon. C'est un exploit individuel. Tu te bases forcément sur un exploit individuel. On a vu que lorsque Aouar avait de la difficulté dans le jeu et que Memphis ne parvenait pas à y trouver, le jeu entre les lignes n'était pas fluide parce que t'avais pas un milieu de terrain qui rapportait le ballon. T'avais pas de lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc t'avais Aouar qui était obligé de partir de 40, 30 mètres, de se faire tout seul ses actions. Mais je rejoins totalement Walid. Silvinho, le problème depuis le début de saison, en tout cas depuis certains matchs, on va oublier les matchs contre Angers, Monaco, tout ce qui s'est fait au début. Et on était un petit peu en train de se montrer très optimiste du côté de Lyon, c'est le message qu'il envoie à chaque composition et à chaque match, et dans le contenu de ces matchs. Au fait, face au PSG, on va tout à l'heure parler de l'association pour qu'il se passe de Dembélé. Je pense que face au PSG, t'as Dembélé qui est titulaire. Mais offensivement, on a encore une fois de plus rien vu, il a rien proposé offensivement. Parce que tu pars de 40 mètres encore une fois. Exactement, c'est que t'as un bloc assez bas, c'est que t'as une défense à 3. Alors tu mets une défense à 3. Je suis totalement avec Walid. Tu la mets face à Leipzig, chez eux là-bas, on sait qu'ils sont très rapides, ils ont une verticalité, ils peuvent exploser rapidement avec Forsberg, Poulsen, Werner. C'est des joueurs qui ont vraiment, c'est des joueurs de position, ils ont de rupture, ils ont besoin de cette vitesse-là, de cet espace dans le dos de la défense. Aujourd'hui, tu joues face à une équipe de Saint-Etienne, Walid le dit, totalement dans le fond du trou, qui a changé d'entraîneur récemment, même s'ils ont montré un visage intéressant en Europa League jeudi. Mais voilà, tu dois imposer quelque chose face à tes équipes de Saint-Etienne. Toi, tu sors comme le style de Saint-Etienne n'est pas du tout le même que celui de Leipzig, Même au-delà d'une question de style, t'es Lyon aujourd'hui, moi je pars dans l'optique que avec les objectifs et les ambitions que tu as en t'appelant l'Olympique Lyonnais, tu te dois de faire le match, tu te dois de le maîtriser face à une équipe de Saint-Etienne. Et aujourd'hui, quel message t'envoie encore une fois, comme face au PSG, comme le match face à Nantes, même s'il y a eu un petit peu de mieux sur certaines périodes, le message que t'envoie, c'est de la frilosité encore une fois, c'est le manque de changement et c'est le manque de lecture de jeu durant le match, parce qu'aujourd'hui, durant le match, c'est quoi c'est du poste pour poste. Exactement, c'est du poste pour poste que tu fais. Et derrière, tu fais quoi? T'envoies quel message? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? On a senti Anthony Lopez. Et à chaque fois, Romain, t'es puni. Contre le PSG, t'es puni à la 89e. Ce soir, t'es puni à la 89e. Déjà mercredi, on l'avait dit, Werner, c'est incroyable ce qu'il rate. Il peut te punir à plusieurs reprises et la physionomie du match n'est plus du tout la même. Donc, encore une fois, ce qui me dérange avec Silvinho, c'est que moi, je veux bien le défendre, je veux bien lui laisser du temps, mais il n'apprend pas de ses erreurs. À chaque gros match, à chaque fois qu'il y a ce genre de physionomie-là, c'est la même chose. Et le bloc, c'est pas possible d'être aussi bas. Tu peux jouer à 5 derrière. Il y a des joueurs qui en ressortent un peu grandi, notamment Anderson, qui est nettement mieux depuis qu'ils sont à 3. Mais tu peux aussi demander à ton bloc, à un moment donné, d'essayer d'aller jouer plus haut. Aouar, c'est très très compliqué de le voir à 40 mètres de son but. Le double pivot Thiago Mendes, ça a fonctionné mercredi parce que tu avais une équipe qui les mettait en valeur. Là, aujourd'hui, je veux voir Thiago Mendes plus haut. Là, c'est pas possible. Ce qu'on lit souvent dans un schéma à 3, c'est que les premiers duels du match
notamment pour les pistons, influe de savoir si ton piston va jouer défenseur droit ou va jouer plutôt milieu offensif ailier. On a vraiment eu l'impression que Lyon a accepté de laisser le jeu, et de rester plus bas pour jouer, Jouer à 5 derrière. Ça ne peut plus être autre chose que des consignes de la part de Sylvino. Et si c'est vraiment des consignes de Sylvino, il faudra qu'on nous explique pourquoi il met vraiment ça en place, pourquoi il envoie cette frilosité, pourquoi il est dans cette peur, pourquoi il ne veut pas prendre de risques, comme le dit Walid, pourquoi il n'apprend pas de ses erreurs. Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien. Moi je veux bien que tu le fasses une fois face au PSG, tu dis ok, je ne veux pas prendre le bouillon, je ne veux pas. D'accord, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, mais à un moment donné, il faut savoir que vu que ta prestation et vu que ce que tu montres comme copie, n'est pas vraiment mieux que si tu prends des risques, va prendre des risques, apporte de la solution, apporte de la fraîcheur, crée quelque chose de différent. Aujourd'hui, comme tu le dis, sur les 20-30 premières minutes, on voit bien que c'est Saint-Etienne qui essaie de faire le jeu avec ce poteau de Boudbouze et avec ses incursions sur le côté de la part des joueurs de Saint-Etienne. T'as des choix de la part de Puel. C'est pas Puel, il vient d'arriver. Le pire, c'est que Saint-Etienne essaye. Saint-Etienne se réveille. C'est pas une machine en face. Saint-Etienne se réveille parce qu'on sait qu'ils sont dans une difficulté monstre, ils viennent de changer de coach, et puis lui il arrive, il fait des changements, que ce soit des choix d'hommes sur le fait que Bouanga soit sur piston sur la droite, Kadri sur le banc, Johnny qui est lancé, lui il essaie de faire des choix, lui il essaie de faire des solutions, il prend des risques, alors que du côté de Sylvino on est toujours dans la même disposition, dans la même peur. À un moment donné, il faut évoluer. Alors ça, c'est peut-être les carences tactiques sur ce match pour Sylvino. J'aimerais aussi qu'on parle des choix d'hommes, parce qu'il y a le choix du schéma, mais aussi le choix des hommes. Il a choisi de titulariser une nouvelle fois le duo Memphis Depay et Martin Terrier. Alors c'est un duo qui a plutôt marché à Leipzig, puisque Martin Terrier avait été titulaire. J'aimerais qu'on voit, par contre, cette statistique. Aujourd'hui, quand Martin Terrier est sorti, ça a été ce qui nous a le plus choqué avec la rédaction du Club des 5. Zéro ballon échangé entre les deux attaquants ce soir, entre Martin Terrier et Memphis Depay. Alors, c'est pas comme s'il y avait zéro attaquant derrière et qu'il fallait absolument les associer l'un et l'autre. Peut-être qu'ils ont des profils qui peuvent être complémentaires. Mais il n'empêche, Moussa Dembélé, qui est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 maintenant derrière Osimhen, c'est la question du soir, les socios. Est-ce que vous voyez une raison à laquelle Sylvino peut se priver de Moussa Dembélé, pardon. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez trouvé ça normal que dans ces choix sortis de l'analyse tactique du schéma, est-ce que dans ces choix, Walid, tu as trouvé ça normal que Moussa Dembélé ne démarre pas ce match? Moi, je trouve pas ça normal. On peut me citer un coach qui se passe un match, ok, mais deux matchs d'affilée. Surtout dans un derby. Dans un derby où le mec, l'année dernière, déjà, il te climatise Saint-Etienne. Là, on l'a vu sur sa rentrée, il apporte énormément. Après, là où je peux rejoindre Alpha, c'est que Dembélé, c'est très bien sur le terrain, mais il faut que tu aies une équipe qui soit un peu plus haute. Bien sûr, qui soit beaucoup plus haute et surtout qui soit productive en essayant d'aller chercher des angles de passe avec des latéraux qui montent, avec des vrais centres au deuxième poteau. Si c'est pour mettre Dembélé comme face au Paris Saint-Germain et avoir Depay et Dembélé qui partent de 40 mètres de leur but, je vois pas l'intérêt et je comprends pourquoi il le met pas. Mais encore une fois, c'est toute la logique de départ et la réflexion, tu sais, le football d'épicier, le football des années 90. Parce que là, ce que nous sert Sylvino, c'est un football des années 90. Mmh. C'est un football où les latéraux ne montent pas. Et j'ai envie de lui dire, Sylvino, tu as vu l'équipe champion d'Europe l'année dernière, Liverpool, tu as vu les latéraux, Robertson et Alexander-Arnold, tu as vu Marcelo et Carvajal, tu as vu Kimmich là-bas, Lama là-bas, Alba, Alves. Ce sont des équipes qui ont été... Je ne sais même pas si c'est football années 90, non, parce qu'on voyait plus de spectacles avec des équipes... Mais en tout cas, un football d'un autre temps. Un football de peur. Se passer des latéraux, se passer de ton numéro 9, se passer de Reina Adelaide qui sur les deux dernières semaines, était le meilleur milieu de terrain. Là, on a le débat Moussa Dembélé, qui est le meilleur attaquant et peut-être meilleur joueur de l'OL depuis le début de saison. Mais Reina Adelaide, c'est peut-être le deuxième meilleur joueur de l'OL. C'est moderne, mais aujourd'hui, quand on voit le nombre de matchs où ça se gagne au milieu de terrain, on va parler tout à l'heure de l'Inter face à la Juve, on a vu la sortie de Sensi, ou le match face à la Lazio, ou le match du Barça notamment sans Arthur. T'as le nombre de matchs aujourd'hui où le football tu gagnes tellement sur des positions, sur des jeux de position au milieu de terrain, où quand tu prends la domination, quand tu prends le dessus sur l'adversaire, tu peux vraiment lui faire du mal. On sait que Saint-Etienne n'est pas dans une situation où ils sont vraiment la tête à l'endroit, où ils sont très positifs. Aujourd'hui, tu mets un milieu de terrain beaucoup plus joueur, beaucoup plus créatif, qui t'agresse le porteur du ballon, qui empêche Saint-Etienne de jouer. Je
je suis sûr que tu proposes quelque chose de plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'association Moussa Dembélé, Memphis Depay, pour moi, ce n'est pas forcément la solution. Parce que Dembélé, Depay, il faut vous refaire le match face au PSG, même si on va me dire oui, c'est le PSG et tout ça, mais c'est plus dans les intentions aujourd'hui. C'est plus c'est sur le. Grand, en plus, ce n'est voilà. pas un grand PSG. Voilà, ce n'est pas un gros PSG avec les manques qu'il y avait. On a fait le débrief ensemble ici en plateau. Le problème aujourd'hui avec Silvino, c'est l'idée qu'il envoie, c'est le message qu'il envoie aux joueurs aujourd'hui, même si Dembélé, sur son entrée, je suis d'accord avec Walid, le. Mieux le visage de l'OL qui s'éclaire, voilà, qui s'éclaircit un petit peu. Plus, c'est même, il y a un peu plus de liberté c'est, pour avoir, c'est même, qui, fait que, oui, qui fait qu'il se met un peu plus sur le terrain. C'est un point de fixation, c'est-à-dire que avoir peut s'appuyer sur lui, il peut jouer en décalage. Il a même fait une tête qui aurait pu, une tête cadrée qui a été sauvée par le gardien stéphanois. Il est toujours au bon endroit, il a ses bons déplacements, on le sait. Par contre, c'est un joueur qui va beaucoup croquer, donc il a besoin de plus d'animation. Il a besoin qu'on joue beaucoup plus pour lui, il a besoin qu'on crée autour de lui. Alors que ce lion de Silvino là, il est en train de renier les préceptes du jeu lyonnais. Voilà, c'est pas le jeu lyonnais qu'on connaît. De management, c'est Silvino, il fait en ce moment. C'est pas possible. Il y a une histoire de management. C'est-à-dire que comment t'expliques à ton meilleur buteur, à celui qui te sauve depuis le début de saison, parce qu'il faut rappeler que tu gagnes 3-0 contre Monaco, mais ici, il n'y a pas cette ouverture du score précoce à la 3e minute, le match est peut-être différent avec l'expulsion de Fabregas. Tu as le match contre Angers où il te sauve, tu as le match contre Brest où la première mi-temps, elle est lunaire, le mec, il a une occasion, il te la met au fond. Comment tu vas expliquer en termes de management que ce mec-là débute deux matchs hyper importants sur le banc? Sans lui, tu es 20e au classement. Sans lui, depuis le début de saison, t'es 20e. C'est-à-dire que, ok, tactiquement, etc., on n'est pas d'accord, mais tu peux dépasser l'aspect tactique, l'aspect management. Parce que moi, je veux bien qu'il tape dans les mains de tous les supporters en disant on va aller à la guerre, on va aller à la guerre, on va aller à la guerre. Ouais, mais si tu mets pas tes meilleurs joueurs, si tu mets pas tes meilleures cartouches. C'est plus taper dans les mains des supporters, là, c'était. Oui, voilà, c'était, non, mais. Tu m'as compris, Romain. Voilà, c'est bien de serrer son sifflet jusqu'à ne plus en respirer, mais les signes que t'envoies sur le terrain, c'est pas. Il faut que ça suive, quoi. Et sincèrement, petit à petit, moi je le disais déjà mercredi, je me dis ok, il y a cette victoire à Leipzig, mais j'espère qu'il va capitaliser sur cette victoire, que ça soit événementiel. Ok, on a été faire un coup là-bas, on était sur une mauvaise dynamique, j'ai mis une tactique pour essayer de mettre à mal Nagelsmann, mais on va passer à autre chose. Et c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et j'avais peur de ça, et je suis persuadé que pour lui, la mentalité qu'il a vue contre Leipzig suffira en Ligue 1. Mais non, mon ami. Moi, je critiquais Genesio pour ça. C'est-à-dire que la mentalité, gagner contre les gros, etc., c'était très, très bien, mais il fallait passer un cap. Et là, on n'est plus sur ce qu'on nous a dit en début de saison. Et ça commence à devenir un problème. Entre les changements tactiques, alors, on peut accepter que le match contre Leipzig soit un changement tactique pour s'adapter à l'adversaire, mais bon, apparemment, ça se confirme contre une autre équipe qui n'a pas le même profil. Donc, c'était peut-être pas qu'une adaptation. Entre les changements tactiques, les changements de joueurs qu'ils soient performants ou pas performants, est-ce que finalement elle est où la continuité depuis le début de saison à l'OL? On est complètement perdu, j'ai l'impression qu'il y a eu ces mauvais résultats qui ont pointé le bout de leur nez et directement ça a fait paniquer Silvino, je sais pas pourquoi, alors qu'il savait qu'il avait le temps nécessaire de pouvoir s'intégrer du côté de Lyon et d'apporter tout ce qu'il avait promis, en tout cas dans ses sorties médiatiques. Et j'ai l'impression, faut pas qu'il se perde un petit peu en essayant de jouer trop de communication quand il venait d'arriver, beaucoup parler, essayer d'expliquer je veux tel système, tel profil, et ensuite avec ce qu'on a vu là à l'entraînement avec les supporters tapés dans les mains et tout ça c'est secondaire. Faut pas qu'il reste dans la communication. L'essentiel pour lui, c'était de rester sur le terrain. Au début, pendant les matchs de préparation, ce qu'il proposait, c'était assez intéressant, avec des latéraux, même s'ils montaient pas assez, mais qui étaient quand même plutôt corrects, qui faisaient le boulot défensivement, qui étaient là, qui se faisaient pas prendre dans le dos. Et là, il y a eu cet enchaînement en Ligue 1 où c'était très intéressant, même dans le jeu. On a vu Adélaïde, on a vu Dembélé, on a vu des schémas de jeu assez intéressants. À un moment donné, les mauvais résultats ont commencé à venir. Il a reculé. Tout d'un coup, il commence à reculer, faire le football d'épicier, comme tu le dis, trop de calculs. J'ai l'impression qu'il a eu peur, en fait, alors que justement, non, il devait capitaliser sur ce début de championnat, devait capitaliser sur le vent nouveau qu'il devait apporter du côté de Lyon et tenter des choses beaucoup plus offensivement. Je fais souvent le parallèle avec André Villas-Boas. André Villas-Boas, le début de saison, comptablement, il n'est pas extraordinaire. Mais il y a une identité qui se crée. Mais il tente des choses, il se passe quelque chose. Il essaie de faire des choses. Tu sens qu'il y a un bricolage parce qu'il est obligé. Et donc, on est beaucoup plus indulgent avec Villas-Boas. Pourtant, je crois qu'il doit. Lyon doit être à 3-4 points de l'OM. Et l'OM fait pas un gros début de saison. Ils viennent de perdre contre Amiens. Mais tu es beaucoup plus indulgent parce qu'il se fait pas dessus.
Il n'est pas dans un football d'épicier, non, il essaye quelque chose. Peut-être parce que tu attends aussi beaucoup moins de l'OM que Lyon. Aussi, ça en fait partie. Mais tu vas être tout de suite indulgent, c'est-à-dire que tu peux perdre le match contre Saint-Etienne ce soir, mais tu ne le perds pas de cette façon. Non, mais c'est pas normal. Il sait que c'est sa première année. On va être indulgent avec lui, on va essayer d'attendre la suite. Mais les idées, ce que tu amènes comme message, moi, ce qui me dérange surtout. Le temps, ça se mérite, en fait. Le temps, ça se mérite. Oui, le temps, ça se mérite. Mais justement, il se mérite dans le sens où tu proposes quelque chose et tu te renies pas. Aujourd'hui, quand on voit ses propos de départ, ce qu'il avait fait sur les matchs de préparation, et sur les 2-3 premiers matchs de Ligue 1 et ce qu'il est en train de proposer aujourd'hui, il est tout simplement en train de se saboter, de se renier et saboter entre guillemets le football qu'on proposait du côté de Lyon. Et là, j'aimerais bien voir les deux tontons flingueurs là, ce qu'ils vont dire ce soir. C'est qui les deux tontons flingueurs, c'est ceux qui sont sortis après Nantes. Et on nous a dit c'est grâce à eux qu'ils ont gagné à Leipzig, etc. Là, ce soir, il est retombé dans ses travers. Qu'est-ce qu'on va. Non, mais ça va être. La trêve va être intéressante. Pourtant, les tontons flingueurs, c'est Juninho et Olas. Ils ont flingué sur tout le monde. Oui, ils ont un peu tiré sur tout le monde. C'est vrai, Olas a flingué sur Duluc, à l'équipe il a flingué un peu sur tout le monde. Après, c'est une manière de s'approprier la pression pour laisser tranquille le groupe. Quand je dis les tontons flingueurs, c'est affectueux et c'est du second degré, m'as compris. Mais c'est vrai qu'ils sont rentrés avec l'envie de tirer sur tout le monde. Il attendait surtout, parce que ça faisait un moment qu'ils n'avaient plus l'occasion de le faire. C'est ça. J'aimerais qu'on revoie une dernière fois la question du soir, vous pouvez y répondre sur le chat et dans les commentaires. Pourquoi Silvinho se prive-t-il de Moussa Dembélé, un de ses meilleurs joueurs depuis le début de la saison? Vous pouvez me donner votre avis et peut-être vos tentatives d'explication. Ça se trouve, on aura des grands défenseurs de ce choix-là qui disent que peut-être Moussa Dembélé est plus performant en rentrant. Donc vous pouvez nous donner. Des personnes qui n'ont pas vu le début de saison, par exemple. Vous pouvez me donner votre avis sur le chat et dans les commentaires. J'aimerais qu'on parle de Saint-Etienne un peu. Saint-Etienne, parce que on a pas mal débriefé Saint-Etienne depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue Europa ou dans des grosses affiches. Saint-Etienne qui, cette fois, repart avec les 3 points en Ligue 1. Ça fait du bien. Ils étaient en lanterne rouge quand même, Saint-Etienne, avant le match. On va voir la première compo de Claude Puel. Aussi un schéma à 3 derrière. On a ce duo d'attaque, Loïs Diony, Abi, Boudbouz derrière aussi, pas de Caserie notamment. Pas de Debuchy, un Bouanga en rôle de piston. Relances alors qu'il était plus titulaire. Est-ce qu'on a vu un début d'idée de jeu? Il avait dit pourtant Puel qu'il n'allait pas commencer véritablement, que ça allait être un match un peu test. Mais mine de rien, quand on voit cette composition d'équipe, on se dit il teste déjà. Carrément, il est totalement en adéquation avec ses propos, c'est qu'il est en train d'essayer des choses. Je pense qu'il a pris le temps de prendre un petit peu la mesure de Saint-Etienne, de l'équipe qu'il allait prendre en marche. Et ses choix aujourd'hui, on a vu que c'était beaucoup plus, en tout cas, cohérent entre guillemets, ce qu'il a essayé de proposer, parce que il s'est pas ruiné. Moi, j'ai bien aimé que ça soit Envia ou Youssouf du côté du milieu de terrain qui sur les 20, 25, 30 premières minutes, je les ai trouvés un petit peu haut pour essayer d'apporter. Je les ai trouvés un petit peu haut sur le terrain pour empêcher la première relance lyonnaise qui les oblige et d'aller trouver comme ça Boudbouz qui lui dans sa capacité à déstabiliser un rideau défensif, dans sa capacité à se faufiler, à trouver des espaces, même si Johnny devant ça a été un petit peu plus compliqué avec le jeune Andersen qui a fait un très très beau match du côté de Lyon, ça faut le souligner. Maintenant voilà, c'est un premier match pour Puel qui du côté de Geoffrey Guichard, je pense quand il était à Lyon il a jamais perdu dans ce stade, il vient à Saint-Etienne, il continue sa belle série là-dessus, mais dans l'ensemble, Bouanga aussi, on l'a trouvé très intéressant dans ce rôle de piston. C'était une belle idée de pouvoir tester tout cela. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est sincèrement, il vient avec une équipe qui était totalement en convalescence. Il leur redonne des vitamines, il repart avec une victoire. Maintenant, il faut voir sur la durée. Le championnat, ça va se jouer sur des équipes beaucoup plus compliquées à manœuvrer, avec des blocs bas, avec des blocs qui sont un petit peu plus méfiants. Ça reste un entraîneur chevronné de la Ligue 1. Je pense que ça pourra faire l'affaire. Attention, par contre, à ne pas faire comme en 2009 quand ils ont eu Perrin et ça avait été compliqué en deuxième partie de ça. On va sortir de tout l'historique, les petites guéguerres, Puel, OL, etc. Mine de rien, quand tu as une période internationale de 2 semaines où tu vas pouvoir bosser avec un groupe que tu connais pas, pouvoir capitaliser sur une victoire dans un derby, c'est quand même plutôt pas mal comme début. C'est des débuts rêvés. Si tu lançais ta saison. Ah oui, non, mais clairement, en plus, même le scénario, si t'écris le scénario à l'avance, tu peux pas faire mieux. 90e but de Berić, le chaudron qui est en feu.
Voilà, il y a eu un peu d'imbroglio avec la destitution de Printemps, les déclarations des deux présidents, etc., etc. Lui, il arrive, il remet tout sur la table. Kazri, qui est soi-disant, qui doit être le meilleur joueur de cette équipe, sur le banc. Il fait un système où il calque sur celui de Lyon. Et elle est là, la différence entre Puel et Silvinho, c'est que Puel, je pense, a fait une compo pour ce match-là. À caractère événementiel, je ne l'ai jamais vu jouer en 3-5-2, moi, personnellement. Oui, c'est vrai que ce soit à Leicester, à Lyon, à Nice, je ne l'ai jamais vu jouer en 3-5-2. Ce soir, il fait un miroir pour essayer de mettre en danger Lyon, et je suis persuadé qu'après la trêve, le 3-5-2, il est oublié, et il va s'adapter à autre chose pour imposer ses idées. Lui ne l'a jamais fait, mais Saint-Etienne a plutôt été habitué, notamment l'année dernière, à jouer à 3 derrière. Mais c'est là où je peux peut-être me tromper, peut-être qu'au retour de la trêve, il mettra ce 3-5-2, mais moi, je ne pense pas. Et il a fait des choix forts, même si ça n'a pas été flamboyant. Encore une fois, on a vu un match qui était insipide, mais il a réussi son coup de mettre les deux devant Johnny, que tu remets que tu ressors de la cave. La même chose pour Traoko, qui avait connu un début de saison très très compliqué. Le Tammy Abraham stéphanois là devant, comment il s'appelle, Abi, voilà, c'est pas extraordinaire ce qu'on a vu ce soir, mais ils ont mis de l'intensité, ils ont mis un peu le feu. Il a relancé Boudbouz, qui depuis le début de saison, critique sur critique, ce qu'il a fait ce soir, le ballon qu'il donne à Berić, plus sa grosse occasion, sur les 8 premiers matchs, il a pas fait. À part ça, c'est pas forcément un grand match de la part de Boudbouz. Hein, il a quand même 27 ballons perdus. Après, il fait ce qu'on attend de lui un petit peu. À l'image de Saint-Etienne en ce moment. Ouais. À l'image de l'équipe, Boudbouz fait pas un énorme match, mais il donne un ballon de but et il est dangereux. C'est déjà mieux de ce qu'on a vu sur les 8 premiers matchs. Donc, même ça, tu peux le donner au crédit de Puel. Après, c'est l'électrochoc. C'est souvent le cas avec les nouveaux coachs qui arrivent. Faudra voir sur la durée. Mais moi, j'ai toujours milité pour Puel à Saint-Etienne et je suis persuadé que c'est une bonne chose. Est-ce que pour toi aussi, ça va être un one shot ou tu penses qu'il peut capitaliser dessus et peut-être créer un schéma autour de ça? Écoute, ça en a tout l'air. Même si Saint-Etienne, tu le disais tout à l'heure, quelquefois jouer dans une défense à 3. Je pense que c'est une équipe qui a cette habitude-là, avec notamment des joueurs comme Perrin qui ont cette expérience-là. Mvia au milieu de terrain, que j'ai trouvé très intéressant dans son comportement, que ce soit avec ou sans ballon, quand ils étaient hauts ou quand il fallait garder le ballon et pousser les Lyonnais à la faute. J'ai trouvé ça très intéressant, mais un bout de boost dans le cœur du jeu. Moi, je pense qu'il a plus de liberté comme ça, à pouvoir se promener entre les lignes, à mettre à mal le premier rideau défensif et à c'est pouvoir servir justement. C'est bizarre, tu parles de bout de boost, mais bout de boost est meilleur sans Kazri, Kazri est meilleur sans bout de boost. Il va falloir ensemble, c'est vrai qu'ils ont pas véritablement. C'est un peu comme Sakhni et Kazri en Tunisie, on avait parlé à la CAN. Ensemble, ils se marchent un petit peu sur les pattes, donc peut-être qu'il a fait ce choix-là justement pour que Puel l'a compris. C'est dans ce sens-là que tu dis que tactiquement, il a quand même été supérieur à Silvinho, parce qu'il essaie il calque son système sur celui de Lyon, et pendant le match, sur le cours du déroulement du match, t'as pas Silvinho qui réussit quand même à essayer de mettre quelque chose en place de façon différente pour essayer de déstabiliser Claude Puel, alors que lui, il est parti dans cette idée-là de pouvoir le contrer, et au-delà de le contrer, de proposer quelque chose qui, pour moi, en tout cas, avec ballon, a été un petit peu plus intéressant pour une équipe comme Saint-Etienne, qui était aussi malade que ça, par rapport à Lyon, qui restait sur une victoire face à Leipzig. J'aimerais juste rapidement, vraiment, on parlait de management. Là aussi, par rapport à Kazri, par rapport à Debuchy, ces mecs-là, etc., qui étaient un peu moins bons, même Perrin, tu t'envoies un vrai message, c'est-à-dire que tout le monde aura sa chance et les meilleurs joueront. Il n'y a pas de passe droit. Et ça aussi, ça va être intéressant pour la suite. J'aimerais juste qu'on voit les positions moyennes de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui, parce que sur le rôle des pistons, j'en avais parlé un peu tout à l'heure avec l'OL. Là, on voit la position des pistons. Le 13, c'est Traoko qui est dans la moitié de terrain de l'OL, qui est le quatrième joueur le plus haut pour l'OL. Il y a la différence. Bwanga, qui est aussi, lui, dans un rôle de piston, normalement, c'est plus un ailier de bord. Qui est le plus dangereux à Saint-Etienne aujourd'hui? Là, c'est carrément. C'est Bwanga. Dubois, tu l'as vu, toi? Ah oui, non, monsieur. Raphaël, tu l'as vu? Non. Ah, mais c'est carrément là, la défense. Et tu joues une défense à 3, là, alors que Lyon, tu joues une défense à 5. Est-ce que ces intentions-là, elles ont été. Est-ce que les latéraux, les pistons, représentent complètement ce qu'a voulu mettre en place Puel avec ses intentions? Ah, mais carrément. Moi, je pense que c'est totalement ça. Parce que déjà, Lyon, tu sais que les latéraux ne montent pas beaucoup sur l'ensemble de la saison, sur les idées que propose Silvinho, ça, tu le sais. Donc, tu demandes à tes pistons d'aller très haut pour les empêcher, justement, d'avoir cette insouciance. C'est cette prise de risque pour essayer de jouer. Donc, tu les obliges à rester dans leur moitié de terrain, ce qui fait que tu as une certaine forme de supériorité, même au milieu de terrain, qui peut te permettre de pouvoir libérer tes deux joueurs devant la défense pour le,
permettre de distribuer, de pouvoir écarter le jeu. Et en plus de ça, tu as des schémas de passe et des idées, tu as des solutions offensives qui sont beaucoup plus intéressantes que côté lyonnais. C'est ce qu'on voit carrément sur cette compo. Là, tu as 1, 2, 3, 4 joueurs offensifs, en plus des 2 joueurs du milieu de terrain qui peuvent te proposer des schémas de passe et des solutions avec le jeu en face de. En plus de ça, tu as un bout de boost qui a été intéressant, comme on le disait tout à l'heure. Carrément, tu as là, avec en tout cas ce qu'il a mis en place. T'as là une idée de football beaucoup plus développée, un message positif qu'il envoie par rapport à Silvinho. Je ne vais pas encore tirer sur l'ambulance Silvinho, mais on a un coach là qui connaît le football moderne, qui est passé par l'Angleterre notamment, avec les latéraux qui sont hyper importants et la bataille du milieu. Et ce soir, c'est ce qu'on a vu. Puel, il faut le rappeler, à Leicester, il passe derrière Shakespeare, Ranieri, etc. Un jeu soporifique qu'on connaît notamment quand ils ont gagné la Première Ligue, ou avec deux lignes de 4 très très basses pour essayer d'exposer sur les qualités de Vardy et de Mahrez. Il a essayé de changer ça. Lui, il a voulu ramener à Leicester un jeu de possession. Il a même voulu mettre Mahrez en numéro 10 à un moment donné. À Southampton, la même chose. Donc, à Nice, on se rappelle de ce 4-4 de losange avec en numéro 10 Ben Arfa, avec Pléa et Germain. Il veut envoyer du jeu. C'est sa philosophie, elle est là. Et quel que soit le système, à 3 derrière, à 4, avec un milieu en losange, avec un 4-3-3, un 4-4-2 à plat, quoi qu'il arrive, il enverra du jeu. Quel que soit le système, les intentions. Les intentions restent les mêmes. Elle est là, je pense que la phrase de la soirée, elle est là. Les intentions, c'est l'animation, c'est pas le système, c'est surtout l'animation et les intentions qui sont vraiment importantes. Et ce soir, il a été payé. Et il a été récompensé. Il a respecté le football quand l'entraîneur d'en face ne l'a pas fait. En tout cas, on va essayer de voir. On espère que pour Saint-Etienne, que Puel capitalisera sur cette victoire. Je ne vais pas m'enflammer. Ils ont 15 jours pour travailler, en tout cas, pour essayer de trouver une autre identité. Ils ont un chapeau 1, chapeau 2 en Ligue 1, Puel. Il y a qui ? Il y a Tourelle, il y a Jardim. Il y a encore Jardim. Il y a Villas-Boas. Et Galtier, peut-être. En niveau d'entraîneur, tu parles. Je parle d'entraîneur. Et c'est un chef. C'est vraiment une aubaine pour Saint-Etienne. Ils s'en sortent très, très bien. On va voir les résultats de cette 9e journée de Ligue 1. Les résultats complets, parce qu'on n'a pas pu débriefer, à part Amiens-Saint-Etienne vendredi. Amiens-Marseille, vendredi. La victoire du PSG 4-0 hier. On a eu des résultats sympas avec la victoire 3-1 de Montpellier face à Monaco, la victoire de Bordeaux à Toulouse. Moi, je dis ça pour Samuel Vasselin, la victoire de Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, c'est voilà, vrai. Tu vois. Là, il est en feu, là. Il m'a envoyé un message hier, il m'a dit on joue le titre. C'est dimanche, on a eu le match nul de Lille à domicile face à Nîmes, avec la défaite de Rennes, une nouvelle défaite de Rennes face à Reims. Envoie-nous le classement de la Ligue des Talents. On vient de voir la victoire de Saint-Etienne face à Lyon. Le classement de la Ligue des Talents, ouais. Le Paris Saint-Germain est leader avec 2 points d'avance sur le FC Nantes. Angers est 3e devant Bordeaux, Lille et Reims. Marseille est dans le top 8. Lyon est 14e de Ligue 1, 9 points en 9 matchs. Ce n'est pas arrivé depuis 1996. Lyon est à 1 point de la 20e place. Quand je disais sans Dembélé, ouais, ils sont à 1 point de la 20e place. C'est fort, hein, ouais, c'est costaud. Ça serait quand tu disais que Dembélé, lanterne rouge. Sans Dembélé, c'est lanterne rouge. On est en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Le deuxième match de la soirée, puisque pour l'instant la technique. Ça tient. Pour l'instant ça tient. Les gars. Ça va s'arrêter d'un coup, tu vas voir. C'est pas grave. Si ça s'arrête d'un coup, c'est pas grave. On a fait un match, c'est vachement bien. Pour l'instant la technique tient. Le deuxième match de la journée, c'est celui entre l'Inter et la Juve avec la victoire. Et en plus, à la fin, il a dit ce match-là, la Juventus. Il n'y a même pas besoin de la débriefer. Ouais, il a dit ça va être rapide. On va voir si ça va être rapide. Juste pas mal de questions sur le chat sur le programme de la soirée. On demande si on va parler du Barça, on dit quand même parler du coup franc de Messi. Si on dit juste que Messi a encore mis un coup franc magnifique, il n'y a pas 26 000 trucs. Si la Juve avait gagné. Il n'y a pas 26 000 trucs à analyser. Si la Juve avait gagné. Exactement, c'est comme si la Juve avait gagné. Du coup, le Barça, on en parlera. On ne sait pas encore ce qu'on va mettre dans l'émission de demain, pour être honnête, parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignements en première ligue entre la défaite de City, la victoire de Liverpool hier contre Leicester. Il y a eu la défaite de Tottenham. Il y a eu encore United qui a encore perdu aujourd'hui face à Newcastle. Il y a eu la défaite du Bayern en Bundesliga. Il y a eu le Real qui a gagné. Il y a eu énormément de choses ce week-end. Donc on ne sait pas encore comment on va faire les émissions de la semaine pour parler de tout ça avant que le football international reprenne. On verra si on parlera du Barça demain. Le match entre l'Inter et la Juve, le derby d'Italie.
Un but de Dybala, à la 4e minute. Dybala qui change le cours de ce match en ouvrant le score. Arrête. L'égalisation de Lautaro Martinez et le but de Gonzalo Higuain qui lui aussi change le cours de ce match. Je vous dis ça parce qu'il y a eu un débat Dybala-Higuain qui m'a donné mal à la tête. Dis pas Dybala-Higuain, Dybala tout simplement. Ils m'ont donné mal à la tête. En fait, sur le chat, on nous a dit. Mieux pas qu'on le fasse. On nous a dit sur le chat, mais qu'est-ce qui se passe, Walid et Alpha, ils sont d'accord. Ah, aussi. si vous saviez ce qu'ils se sont mis dans la tronche pendant le match, voilà, vous n'avez même pas idée. Donc, du coup, mais t'as vu, c'est grave. C'est comme hier. Bon, hier, ils n'étaient pas là. Enfin, il y en avait sur le live. C'est que tu veux pas que ça se tape en plateau, mais tu vas parler de ce qui s'est passé. Tu vois ce que tu veux. Là, je sais que là, je vous ai un peu titillé. On était bien. Je sais que je vous ai un peu titillé. On était bien, tu vois ce que je veux dire. On trouve la victoire de la Juventus logique, Alpha, en doute, parce que sur les dernières années, la domination de la Juve, etc. Mais depuis le début de saison, on pouvait dire que cet Inter de Conte, pouvait véritablement poser problème à la Juve. Et finalement, ce qu'on a vu depuis le début de saison à l'Inter n'a pas véritablement été mis en valeur aujourd'hui. Bah écoute, pour deux raisons. On pouvait dire que la Juve pouvait se prendre un râteau ce soir du côté de San Siro, parce que tout simplement, l'Inter était dans une très forte dynamique, et notamment très solide défensivement, et proposait quelque chose d'assez intéressant, notamment dans les sorties de ballon, dans les idées de jeu. Et même si face à la Lazio, on l'a vu, il y a eu une période qui a été compliquée. Ensuite, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus intéressante. Et la deuxième raison pour laquelle on pouvait se dire que la Juve pouvait aujourd'hui chuter, ou en tout cas se voir bloqué un petit peu du côté de San Siro, c'est le début de saison de la Juve où c'était pas assez fluide, où sur certains matchs, même si sur les matchs face à Brescia, où Dybala a été très très bon face à Brescia, face à Vérone où il a été très intéressant également, mais il y a eu des matchs où la Juve s'est un petit peu pris. Juste pour que vous ayez les références, en gros, Alpha défend le fait que Dybala n'est bon que dans les petits matchs, et Walid défend le fait qu'un bilan à la Juve. Dit comme ça, tu me fais une mauvaise publicité. Sans que vous repartiez sur le débat. Non, on repart pas. Alpha défend le fait qu'en 4 saisons à la Juve, pour Dybala, c'est insuffisant, ce qu'il a montré. Voilà. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Si vous avez des petites références, là-dessus, vous les comprenez. Et pour Walid, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, Dybala, en 4 saisons à la Juve. Non, mais ne me le relance pas, là. C'est juste pour essayer. donc, pour partir là-dessus, la Juve était sur un début de saison, même si sur les derniers matchs, elle s'est un petit peu refaite la santé avant ce match face à l'Inter. Donc voilà, on assistait aujourd'hui à un match dans le match. Antonio Conte, ancien de la Juve, qui est du côté de l'Inter, qui, avec tout ce qui s'est passé pendant l'été. Sur le match, on peut dire que voilà, la Juve commence le match de la très belle des manières avec ce but de Dybala. On aurait pu assister rapidement au match un petit peu maîtrisé par la Juve avec ce ballon de Ronaldo qui s'écrase sur la transversale. Mais derrière, t'as l'Inter qui parvient à revenir dans le match avec des mouvements assez intéressants, avec un milieu de terrain, moi, que je trouve très très intéressant vraiment sur sa complémentarité, notamment le jeune Sensi. On s'en est rendu compte lorsqu'il est sorti et que la Juve a pris vraiment le dessus sur ce match, sur le milieu de terrain et sur le match. Et en deuxième mi-temps, t'as cette entrée de Higuain et t'as cette passe de Bentancourt qui est lui aussi entré en jeu, qui parvient donc à délivrer la Juve de ce match nul. Dans l'ensemble, je pense que la victoire, elle est méritée du côté de la Juve parce qu'ils ont mis plus d'ingrédients, ils ont mis plus d'envie et ils ont vraiment mis même plus de jeu dans les relations et dans les relais offensifs du côté de la Juve, ce qu'ils ont proposé avec la belle entrée de Bentancourt qui se projetait beaucoup dans la surface adverse, le jeu de Dybala en une touche qui décrochait beaucoup, qui jouait entre les lignes, Ronaldo qui a été intéressant même si en deuxième mi-temps, on l'a pas beaucoup vu, et la belle entrée d'Higuain sur chaque ballon qu'il touchait, on sentait qu'il y avait du danger, on sentait qu'il y avait quelque chose à pouvoir bonifier là-dessus, et au final, pour moi en tout cas, c'est la meilleure équipe sur le terrain qui l'emporte sur les deux mi-temps.